Salut tout le monde, c'est Jetto. Et on va essayer de sortir de ce vaisseau en feu. Il faut que j'y arrive. D'habitude tu cours plus vite quand même ma fille. Roy, rétablis les communications. Ok, on y va. Gel, l'éviscérateur va s'écraser. Vous me recevez? Prendre une petite navette. Hop, petite navette de sauvetage. À mon avis, on doit être proche de la fin, hein, je pense. Hein. Puis ma foi, bah si on finit le jeu, ben on ira un peu en multi, puis je vous montrerai un peu ce que ça donne, comme quoi c'est. Voilà, on ira un peu en multi. Si on finit le jeu, puis qu'il reste du temps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est drôlement calme. Eden, c'est enfin fini. On a gagné. Oui. Je me demande ce que vous allez faire plus tard, parce que vous avez aucune formation professionnelle, à part peut-être aller au Pôle emploi galactique, mais peut-être dans l'armée. Le droïde m'a dit que vous étiez toujours en vie. On dirait bien. J'en suis ravi. Bon, suivez-moi. Faut que vous voyez ça. Des décennies plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé des décennies plus tard? On a envie de savoir, bordel de merde. On a quand même apporté la paix sur la galaxie et... Ah, le fameux repère qui a pas sauté. Ah, c'est le fameux repère qui a pas explosé, qu'on n'a pas fait exploser. Bonjour, je suis un site adolescent. En pleine crise. Tiens, bonjour. Nous attendions votre venue depuis un moment. Amenez-moi au prisonnier. Bien sûr. Suivez-moi. Je suis un adolescent en manque de... Comment qu'on pourrait dire? Parce qu'il est en manque de... Un manque d'affection peut-être. Ouais, parce qu'il a été abandonné par son père, son entraînement. C'est devenu de la merde. Tu sais, si tu voulais louer mon vaisseau, il suffisait de demander.
La carte me mord à Skywalker. Tu sais où je peux la trouver. Je vois pas de quoi tu veux parler. Ah bah, il y a des liens. Je ne te dirai rien du tout. Tu crois que ce vaisseau peut te protéger, te sauver? C'est faux. C'est ici que tu as commencé. Ok. On va le suivre. Tu espérais que l'Empire te rendrait brave. Est-ce que tu te sens brave? Non. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Où l'a-t-il emporté? Est-ce qu'il fallait faire une séquence où on joue avec Kylo Ren, donc on l'a fait faire en sorte qu'il rentre dans la tête d'une personne. Bien évidemment. Cette partie tellement intéressante avec Kylo Ren, avec cet adolescent en manque de repères. Je porte la pause à l'amiral Versier. Impossible. On se recueillera plus tard. Idem version. Elle était suffisamment brave pour vous deux. Première arrivée, dernière partie. Elle t'a mené à ta perte. Ah mais là, tu entends ce que tu dis. Tu dis des préceptes de Jedi, connard. T'es un site, logiquement, voilà. Elle t'a mené à ta perte. Non, mais c'est des principes de Jedi, là, t'es en train de dire. A fait de toi un traître. Tu es déjà venu ici. Tu as trouvé quelque chose. Tu as trouvé la foi. Les Jedi, Jedi, Jedi. Pourquoi m'avoir aidé? C'est quoi ce truc? Tu me l'as demandé. La foi t'a mené à la force. La force t'a mené au vieil homme. Qu'a-t-il fait de la carte qui mène à Skywalker? C'était stupide de revenir ici. C'est ce qui t'a exposé. Bien, je rentre dans la tête des gens, je fais des trucs. Je suis un X-Men en fait, je suis pas un Jedi. Je suis ni un Sith ni un Jedi en fait, je suis un putain d'X-Men. Bardos.
C'est quoi, je vais faire toutes les planètes? Je te briserai à nouveau ici. Je te trompe. Ne servez pas. La garde. Je ne t'en dirai pas. Ok. Deux, hop. C'est tellement pas... Eh, honnêtement, c'était plus amusant de jouer avec Luke Skywalker qui savait pas maîtriser un sabre. En même temps, dans la logique, Luke Skywalker, il maîtrise pas de forme d'art martial particulier au sabre laser. Donc ça veut dire que son apprenti, qu'il aurait non plus. Il y a un mec qui me tire dessus, mais je sais pas où il est. Ah non, il reste un là-bas. C'est fini alors. Ça suffit! Je t'ai caché, toi. C'est bon, on peut entrer. Je suis en train de farfouiller dans ton cerveau. Bayora, la carte est à Bayora. J'ai ce qu'il me fallait. Il est à vous maintenant. Nettoyez-moi ça. Comment vas-tu, Del? Ah bah il est là, lui. Il est pas mort? Je l'ai pas tué dans le vaisseau? Laisse tomber la politesse, Ask. Toi et moi, on sait comment ça va finir. Ouais, n'essaye pas de jouer les héros. Parce que tu n'es plus un soldat désormais. Regarde-toi, tu n'es qu'un lâche. Ouais, le lâche, c'est celui qui s'est enfui du bateau. Et pourquoi? Je te... Si t'as envie, c'est que tu t'es enfui, mon gars. Pour devenir père. Pour être un livreur sur le Corvus. Bon, c'est pas mal comme métier, hein. Tu sais, Iden m'a peut-être trahi, mais toi, Del, tu m'as laissé tomber. Tu m'as abandonné. Ah, c'est son frère, non? Tout le monde change, pas vrai? Hein? D'ailleurs, regarde-toi. T'étais mort, je te rappelle. Oui, il faut croire qu'il reste encore des choses qu'Iden n'est pas capable de faire. Comme me tuer. Ask. Gideon! Je t'en supplie. Ne te lance pas à sa poursuite. Ça finira mal pour toi. Pitié. Ah bah, voilà. Alors, le projet Résurrection peut donc continuer comme prévu? Au contraire, Gleb. J'ai fait appel à vous, car vous m'avez été utile par le passé. Nous avons reconstruit votre foyer et autorisé le service de sécurité Jinata à contrôler le système. Et en retour, vous avez pris du retard et permis à un élément extérieur de découvrir notre plan.
Il s'agit d'une simple erreur, je vous assure. Mes hommes vont déplacer l'opération sur Pilio et nous doublerons, non, triplerons nos efforts sur Atula. Bien, je laisserai quelques-uns de mes hommes avec vous afin de m'en assurer. Pensez à enterrer Delmico et son équipage. Mais ne touchez pas au Corvus. Vous savez qu'elle va venir le chercher. C'est bien ce que j'espère. Mais ne touchez pas au Corvus. Ah, ok, d'accord. T'as une moitié de gens en fait. Tu peux pas nous teaser comme ça, ça fait... Tu nous teases comme ça, ça nous donne l'impression que le jeu il est pas fini en fait. Récompense déverrouillée. Bon, on a déverrouillé une récompense. Bon, c'est pas mal. Pas mal l'histoire, pas mal. Pas mal du tout. Bon, il reste pas mal de temps encore. On pourrait peut-être faire une petite partie en multi pour voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on pourrait lancer une petite partie multi? Ce serait bien si l'écran de chargement daigne se lancer. Peut-être, peut-être pas, ouais. Ok, donc c'est bien. La campagne est bien finie, ok. Bon, bah, on va lancer une petite partie multijoueur. On verra bien s'il y a du monde, si ça se lance ou pas. Ah bah ça se lance tout de suite, pourquoi pas, comme ça vous allez voir un peu le mode multijoueur du coup tourner un petit peu. Ah c'est cracra quand même. Ah putain, puis nous met sur l'étoile noire. Ah là là. Non mais ça c'est un truc, c'est même pas, c'est même là, honnêtement, on aurait pu tomber sur une autre carte, mais celle-là c'est la pire. Honnêtement, ça c'est des randonnions et on va se faire rater la gueule sur des randonnions en fait. Parce que c'est dans des couloirs exigus et il y a non. Non, honnêtement, la meilleure que j'ai jouée jusque maintenant, c'est quand c'est celle avec les droïdes. Celle avec les droïdes, elle est extra. Mais l'étoile de la mort, oh là là, c'est horrible. Honnêtement, c'est horrible. C'est horrible, c'est juste horrible l'étoile de la mort. Y a pas à tortiller du cul. Ah putain, ils te disent ce qui s'est passé lors de la bataille d'Andorre. Un fonceur de blocus s'est échoué dans le hangar de la deuxième étoile de la mort. Et on n'a pas le temps de voir la suite. On va prendre un officier. Bon, par contre, ici le Major Shin, à tout le personnel survivant. Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais ce n'est pas fini. Il y a un mec qui court devant de là. À nos on va avoir besoin d'un vaisseau et d'une diversion pour s'échapper. La mission des escouades est de couper le générateur et la station de contrôle du rayon tracteur. Ce sera un bon début. Tout le monde sur ma position! Heureusement que vous êtes là! C'est sûr qu'ils viendront! Piraté, les gars. Merde, je l'ai pas vu! Je l'ai pas vu, lui. Pour l'Alliance Rebelle! Tu sais, on s'est regardé deux minutes, on a fait ça un ennemi? Commande du rayon tracteur désactivé! Puis après, on a tiré. Oh putain. Allez, y'a piratage en cours là-bas. Dégage de la tourelle. Grenade lancée. Oh merde, putain de grenade de merde.
Ah, je me suis fait grenadiser là. Parce que j'aimerais bien, par contre, ne les laissez pas se regrouper. Attaquez le générateur. On va récupérer dans le. Pour tous ceux qui sont tombés, au nom de la liberté, installe une tourelle. Chaud devant, grenade. C'est sûr qu'il vient. Merde, bah j'étais en train de pirater le machin, j'ai joué l'objectif. Ouais, retourner, j'étais bien comme ça, j'étais bien parti en plus. En position au générateur, désactivation en cours. Ah, j'ai pris l'officier, mais je sais pas si l'officier c'est une bonne idée de prendre l'officier. Grenade envoyée. On lutte ensemble. On a une tourelle. Peut-être on avait un là-bas là qui a essayé de passer. Désactivation du générateur commencée. C'est quoi faire là? Tirez, tirez les mecs, retenez-les là! Je suis en train de pirater le bordel! Oh, faut se casser! Grenade lancée! Même les Jedi n'ont pas pris ça! Oh merde! Je me suis fait dézinguer par un Jean-Pierre là. Voilà, j'ai dit que je changerais. Attendez, on va prendre autre chose. On va prendre lui. On va prendre le commando de base. Oh, y'a un mec, il a pris un guerrier Wookiee. Il est chaud. Hein. Ça, c'est un. Genre de machin sonore qui repère les ennemis. Rayon tracteur et commande désactivée. Éliminez les stormtroopers et attendez les ordres. Oula, il a balancé un truc dégueulasse là. De contrôle des armes. Si on veut pouvoir s'échapper, il va falloir désactiver ces turbolasers. Mais on a également une opportunité. Saboter l'arme principale de la station. Je l'ai zingué lui. Je lance. J'ai marqué un impérial. Ah merde, je suis mort. Mille, c'est combien pour. C'est 8000. 6000 pour Yoda. On pourra peut-être acheter Yoda, peut-être. Bon, on va reprendre l'officier. Je m'en sortais mieux avec l'officier. Ah, ici tu t'en sors mieux. Honnêtement, ici tu t'en sors mieux avec un officier qu'autre chose, tu vois. Les turbolasers vont sauter. Ça risque de prendre un moment. On va aller là-bas.
Tourelle prête. J'essaie de désactiver les turbos laser. Ah merde, je l'ai pas vu. Il y avait Jean-Pierre là avec sa merde là qui m'a tué là. Putain, je l'avais pas vu lui. Je suis à vos côtés. Oh, c'était dégoût quoi. J'avais pas vu Jean-Pierre. Je viens de recevoir un signal. Un de nos agents est venu nous aider. Je suis retourné là-bas. Yoda, vous cherchez Yoda. Yoda, vous cherchez Yoda. Grenade lancée. En poste à l'arme principale. Programme de désactivation lancé. Tourelle prête. Je sais pas si c'est quelqu'un en fait. S'il y a bien quelqu'un. Tout le monde sur ma position. Grenade à terre. Désactivation des turbos laser en cours. Mais ça Yoda, protège-moi. Hein. Ah. Ah merde. Je me suis fait zinguer. Non bah le Yoda, je peux pas le prendre. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Non mais on était bien parti avec l'officier honnêtement. Passe à la batterie du turbo laser. Passe à la batterie du turbo laser. Formez un périmètre. Tourelle installée. Grenade lancée. Désactivation du turbo laser en cours. Minute. Boba Fett, à votre service. Pirate, je pirate, je pirate, vas-y gros, je pirate. Et bim. Ils ne s'attendaient pas à perdre leurs armes. Même si on ne s'en sort pas, la flotte aura ses chances. Éliminez les escouades les plus proches. Après, on s'échappe. Oh la veille. Il doit y avoir un millier de soldats en approche. Activez l'ascenseur de la navette et les commandes du hangar pour préparer le lancement. C'est loin d'être gagné. Comme toujours. Je peux m'occuper moi-même de mes arrières. Oh là, le trooper il est passé en courant, c'est. Genre sa vie elle en dépendait, tu vois. Grenade lancée. Ouais, ça pourrait marcher. Nous nous battons pour la vie. Nous mourrons pour la liberté. Ah merde, je suis mort, putain. Chier. Ah, tu vois, il n'y a plus de héros, tu peux rien prendre. Je voulais prendre un héros, mais tu peux pas, en fait. Les mecs, ils ont tellement spoté les héros, là, que c'est infaisable. Bon, c'est pas grave. J'arrive. Agent rebelle d'élite sur place. Est-ce par ma taille que vous pouvez me juger? Est-ce par ma taille que vous pouvez me juger? On est à l'ascenseur. Allumage. Dégage de la tourelle. Concentrez-vous sur la mission. C'est votre seul moyen de quitter cette station. Rassemblement, soldats. Nous combattons ensemble. Pour la victoire. On va en contact.
la récupérer ou pas? Bon bah voilà, on a gagné. Bon, le problème c'est que les mecs choisissent trop vite les héros et qu'après comme ils restent sur les héros, ben voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est qu'un jeu de toute façon. Mais c'est marrant, honnêtement c'est marrant. Mais à petite dose, hein, c'est marrant à petite dose. C'est pas marrant, c'est pas mal le jeu pour non. À petite dose, c'est marrant. Bon, ben voilà. C'est mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire qu'on va terminer cette série là-dessus. Ça a été super bien. Qu'on s'est bien amusé avec le vaisseau. Bah, et c'est tout. Je vous dis bah, à plus pour un nouveau jeu. Allez, à plus.